Les amis, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui ensemble pour un sixième épisode de Splinter Cell Chaos Theory. Alors, on était arrivé donc dans la septième mission. On avait fini la sixième. Voilà. Alors, juste petite information avant de commencer cet épisode. Enfin, avant de commencer, avant de co continuer, on va dire, l'aventure. Donc, le jour où vous allez voir cet épisode, donc vendredi, aujourd'hui, cet épisode, je vais faire en sorte à ce que vous l'ayez bien le vendredi. Normalement, il n'y aura pas de problème. Donc, si vous le voyez à ce moment-là, bah, c'est que vous l'avez eu le vendredi. Par contre, donc, il n'y a pas de vidéo ce week-end. Par contre, lundi, je vais faire en sorte à ce que vous ayez la vidéo de lundi. Mais si vous ne l'avez pas lundi, bah, je serai tout mon possible que pour vous y aller le plus tôt possible. Voilà. Après, bon, s'il y a un peu de retard, ce qui peut arriver, dans ces cas-là, je rattraperai. J'ai toujours réussi à rattraper et à gérer le truc, donc ça va pas être un problème. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Donc, il y a une personne parmi vous qui sait pourquoi. Bon, je n'en dirai pas plus pour le moment. On verra ça plus tard. Je veux bien vous y dire, mais plus tard. Voilà. Donc, alors attendez, excusez-moi, je suis en galère avec ma clope, là. Allez, c'est parti. Donc, on va continuer cette petite aventure. Voilà. What the fuck? C'était quoi ce délire? Saisir corde. Ah bah ouais, bah c'est mieux comme ça. Ah, un Fenwick. Ah bah ça tombe bien, j'ai repassé mon cassette la semaine dernière en plus. Enfin, j'ai repassé, j'ai recyclé, c'était du recyclage. Enfin, je l'ai renouvelé quoi, voilà. Alors, il y a un blaireau là-bas que j'ai failli ne pas voir. Là, il n'y a rien. Alors, si je passe derrière... C'est lui qui s'est barré? Ah non, pas du tout. Je vais d'abord aller niquer lui, là, je crois. Enfin, niquer. Dans le sens zigouiller, hein, qu'on soit bien d'accord. Oh putain, il y a l'autre cono qui arrive, il y a l'autre cono qui arrive. Ouais, ok. Toujours là. Ouais, je suis toujours là. Apprends-moi quelque chose d'utile si tu ne veux pas te retrouver dans une de ces caisses. Le code de la porte du bureau est le 1879. Quoi? Pas de résistance? Ni de gênement? C'est vous qui avez le poignard, non? Oh, merci de m'avoir accordé quelques instants, alors. Oh putain, il est tombé. Oh, il est tombé en plein dans la fosse. Franchement, les gars, j'aurais fait exprès, j'aurais jamais réussi le coup, quoi. Énormissime, énormissime. Oh putain. Bon. Je me disais, mais il est passé où ce blaireau là? Oh putain. Ah, je m'éclate quand même là. Là, j'avoue que je m'éclate sur cette partie là.
Enfin, sur ce jeu même. Parce que c'est vrai que je me démerde pas mal depuis le début. Et puis ça fait plaisir parce que ça. C'est des jeux que j'aime beaucoup et ça faisait longtemps que j'y avais pas joué à celui-ci. Enfin, même à tous, hein, d'ailleurs. Mais celui-ci, comme il est encore plus vieux, ben. Les nouvelles brosses à dents seront livrées demain. Attention aux alarmes, Fischer. Ah, fuck! Ah, puis ça lui a rien fait, cette connasse! Évidemment. Ok. Ouais, mais mec. Tiens, ça se trouve, j'aurais pu passer directement par là, tu sais. Jean-Pierre, la lumière. Tiens, dégage. Toi là, comment je vais m'occuper de ton cas? Erreur de munitions, d'accord. Bon, alors. Il y en a qui pionce sur sa chaise. Il y en a qui pionce sur son lit. Ok. Très bien. Par contre. Il y avait l'autre là. Moi, je me cherche. Ben. Je vais me chercher du. J'avais pas vu qu'il y avait la porte ici. Vas-y, bouge. Bien joué, Fischer. Mais on dirait que quatre services différents notent les réparations effectuées.
J'adore la bureaucratie militaire. Essaie de trouver les registres des trois autres services. C'est parti, mon bon monsieur. Bon, alors là, du coup, j'ai bien fait de revenir en arrière, du coup, pour le... pour déglinguer l'autre, là. Parce que j'allais oublier de pirater son ordi, encore. Alors là... Ah, oh, mais ouais, mais t'es comique, toi. Alors, attends. Est-ce que je peux le faire directement sans utiliser mes balles annulaires là? Attention aux alarmes, Fischer. Non. Non, non, c'est Krenios. Ok, bon bah tant pis, on va le faire avec les balles annulaires. Vraiment risqué. Ok. Ok. Donc, une caméra. Ok. Oh putain. Il a fait un beau plongeon latéral, lui. Attention aux alarmes, Fischer. Quoi ? La troisième guerre mondiale est toute proche. Il n'y a pas d'interrupteur. Si. Il s'amuse avec la lumière. C'est Jean-Pierre qui s'allume avec la lumière. Oh, il y a des munitions là. C'est mieux. Là. Ah non, c'est objet, c'est une canette. Je croyais que c'était des... des grenades. Ah ouais, ça vient. Ok. Youhou. Me dis pas que t'as un interrupteur là-bas, non. Attends, il va se rasseoir, il va même pas venir allumer. Pff, espèce de bouffon. Erreur. Enfin, dans tous les cas, c'est une erreur. Bing. Alors, ton ordi. Qu'est-ce que tu caches ? Ok, il y a des mecs. Il y a deux conos.
Ok. Alors, caméra. Ah bah c'est là. Ok. Parce qu'il y en a au moins un qui va venir ici, oui. Attention aux alarmes, Fischer. Ah putain, mais c'est pas vrai. Je vais faire, je vais m'occuper de l'autre du fond d'abord. Vu que lui s'assoit. C'est une blague? Comment veux-tu que je le sache? Alors on laisse le missile comme ça, c'est vrai? Ordre, livrer la cargaison au hangar de la base 27-290. Tu vois quelque chose disant qu'il faut aussi qu'on commande la grue? Ah, pas tort. J'ai ma petite idée sur le sujet là, attends. Ok, donc du coup, là, il y a quoi faire? Contourner circuit. Ah. Alors attendez. Ouais, c'est mieux. Ah ben voyons. Ouais mais du coup faut que j'aille où moi là?
Ils peuvent pas. Non, alors faut que je dégage de là, non? Parce que attends, ce tuyau là qui est en haut, je peux pas, je peux aller dessus ou pas? Ah bah oui. Évidemment. Ok. Ok. Donc là, il y a du monde. Très bien. Ouais, d'accord, ok. Je m'attendais pas à ça en vrai, tu vois. Ok. Pas un mot ou dommage pour toi. Oh mon Dieu, je vais coopérer. Bien. Je cherche vos officiers supérieurs. Où est votre PC? Il y a un ascenseur, juste là. Il mène au poste de commandement. Le commandant de la base devrait y être. Merci. Il y en a un autre qui va débarquer là. Ok. Alors attends, parce que la caméra. Il n'y a pas de caméra là? Ok. Si, il y a une caméra, putain, j'en étais sûr. Merde.
What pour? Ok. Nice. Donc ça, c'est celui qui m'avait repéré la fumigène, pas mal. La première fois. C'est celui qui m'avait repéré la première fois. Ah non. Non, non, c'était celui à gauche. Allez, Sam. On va faire le même procédé mais dans l'autre sens. Merde. Normalement. Ça doit être bon. Ah non, parce que alors l'autre il patrouille entre les deux, ok, entre les deux zones, ok. On va se régénérer hein, et puis on va aller voir ici. Non, c'est pas le. On va pirater. Hein. Je recharge. Ah putain. Pourquoi il marche pas? C'est bon. Quoi? Je le sens pas ce coup là. Vraiment. Je peux la péter? Attention aux alarmes. Ouais, je sais. D'où vient ce bruit?
aux alarmes, Fisher. La troisième guerre mondiale. Quoi, mais. Mais ouais, mais t'es comique, toi. Qui va là? J'ai vu quelque chose. Qu'est-ce que c'était? Ok, c'est bon là, y a pas d'alarme? Putain, c'est pas vrai ça. Une caméra. Attention aux alarmes, Fisher. La troisième guerre mondiale est toute proche. Est-ce que je... Putain, mais je peux pas les éclater, ces merdes, hein. Non. Ben, on va recommencer, hein. Ça alors, j'aurais juré avoir vu quelqu'un. Ok. Putain, c'est pas vrai, c'est une blague. Allez, pourquoi il clique pas? Ok, alors... Est-ce que... Ou alors c'est parce qu'il est déjà activé. Attention aux alarmes, Fisher. La troisième guerre mondiale est toute proche. Ouais. Est-ce qu'il faut pas que je... Non, pourquoi il valide pas? Attention aux alarmes, Fisher. La troisième guerre mondiale est toute proche. Arrêtez ça! Rallumez la lumière! Alors, déterminer si les co... le temps de finir de lire, merci beaucoup. Tu vas pas me dire qu'il y avait un passage par... Bah si, par l'ascenseur, putain. Je peux pas le recharger? Putain.
Bon bah tant pis. C'est pas grave. Inspection préliminaire du lance-missile terminée, selon vos ordres. Putain, y'a du monde là, con. Monsieur, inspection préliminaire du lance-missile terminée, selon vos ordres. Et pour conclusion, capitaine. Nous avons fait tous les tests possibles. Et aucun problème, monsieur. Aucun problème. Curieux. Car le missile qui a coulé un navire de guerre de 80 milliards de dollars venait bien de cette batterie. Tout a été vérifié, je vous promets. Oui. Eh bien, vous et moi sommes les seuls ici à avoir pu approuver ce tir sans autorisation, capitaine. Je sais que je ne l'ai pas fait. Donc, si tout fonctionne normalement... Vous là, reprenez tous les tests à zéro. Puis faites tout ce que vous aviez oublié. Jusqu'à ce qu'on sache ce qui est arrivé à mon missile. Bien, monsieur. Hors de ma vue, vite. Bon, le missile vient bien d'ici. Mais ils ne l'ont pas tiré intentionnellement. Bonne nouvelle. On va pouvoir éviter la guerre. Sauf que quelqu'un a bien décidé de lancer ce missile. Ça ne pourrait pas être Shetland, grâce aux algorithmes de Zerkesi. Ça semble probable. Mais il me faut vérifier que Dvorak a bien laissé son empreinte sur le lance-missile qui a servi au tir. De toute façon, si c'est pas moi qui te descends, ça va être ton patron, donc t'as... Dans tous les cas, voilà, quoi. Il va me voir arriver, lui. Et nous aurons une bonne approximation du nombre de blindés qu'ils possèdent dans la région. Je le cherche. Je parie que l'autre registre, il est dans son bureau. C'est obligatoire. Alors... Ouais, bon, ça va. Je m'attendais à un truc quand même chaud, tu vois. Non, même pas. Ok, bah du coup... C'est tout. Bon. Ok, très bien. Bah du coup, je peux aller où là? Bah, il y en avait un là, il y en avait un de l'autre côté. Le seul où il y avait rien, c'était ici, je crois.
qui d'ailleurs est bizarre. Enfin, il y avait rien, c'est moi qui ai pas fait. Ah non, si, ça c'était fait. Alors attendez. Ok, je suis pas allé ici. D'accord. Bon, bah c'est là alors. Dégage. On va le lance-missile, d'accord. Et là, je suppose que c'est l'extraction. Donc l'autre doit être par là alors. Il y a quelqu'un ? Oui, il y a quelqu'un, ouais. Trou du cul. Quelque part par là. Ouais. Bien joué, Fisher. À en croire leur registre, on dirait que cette base est bien plus importante qu'on ne le pensait. Tu me connais, toujours au cœur de l'action. Du coup, faut que j'aille où là? Je vois ce que vous avez en tête, Fisher. S'ils sont assez stupides pour laisser leurs ogives exposées, ça ne suffira pas à détruire la batterie. Peut-être, mais ça fera un sacré boucan. Ok. De ce côté, je crois qu'il n'y avait rien. Ah si. Soyez discret, Fisher. Inutile de donner une excuse aux Nord-Coréens. Au travail, Fisher. Je télécharge les séquences d'armement pour Grimm. Dites Lambert. Si jamais je suis encore là lorsque... Inutile de me le dire, Sam. À mon avis, encore une alarme, c'est cuit, quoi. Mais, alors, est-ce qu'il faudrait pas que je remonte, là, pour le coup ? Je ne sais plus.
j'avais fait celui-là. Ouais, il me semble. Non, écoute, ça c'est une très bonne question. Tu peux pas. Y a pas un truc pour revoir un peu. Les objectifs. Chier. Ça va être quelque chose, hein. Non, mais là, tu peux pas revenir en arrière, c'est pas possible. C'est pas possible. Et si au moins je savais ce qu'il fallait faire. Parce que les objectifs. Comment je peux voir mes objectifs? Pas un affichage objectif dans les commandes là. Mais non. C'est bizarre tout cela. Attends. Putain, mais je suis vraiment trop con. Je suis passé à côté de ça là. Bien. L'enveloppe est ouverte. Accède au panneau de commande du lance-missile et récupère ses données système. Putain, mais je suis vraiment trop con, moi, c'est pas possible. Ah bah alors attends. Voilà. Bien joué, Fischer. Je suis en train d'analyser le système. Oui. Scanner le BIOS du lance-missile. D'où vient l'intrusion?
Hokkaido, les bureaux de Displace. Séoul. Séoul, en Corée du Sud? Tu essaies de me dire qu'on vient d'entrer en guerre pour protéger les types qui ont coulé le Walsh? Impossible de remonter plus loin. Bon, et qu'est-ce que je fais, moi? Seigneur Fisher, les Coréens du Nord traversent la zone démilitarisée, c'est la guerre! Mais pourquoi? On a la preuve qu'ils n'ont pas tiré le missile. Puisque vous parlez de missile, la batterie vient de s'allumer comme un sapin de Noël. Ils ne visent pas nos navires, si? Radar de poursuite activé. Lancer de missile imminent. Vous devez le faire échouer, Fisher. Bien compris. Ah ouais. Ok. Ah bah attends, j'ai ma petite idée de où ça se situe. Ah mais ils sont tous morts. C'est qui aurait pu activer ça? Hein, c'était pas là. À moins que ce soit toujours vers la zone de lancement, hein, mais... Évidemment. Évidemment. Alors attends, je vais m'équiper. Voilà. Je vais prendre cette arme-là. C'est trop tard. Pas encore. L'ogive ne semble qu'à proximité de la cible. Si je pouvais trouver le code d'annulation. Bien vu. Allez au poste de contrôle, juste sous la plateforme. Je fonce. Faites vite, Fisher. Impact du missile dans 3 minutes. Tout est vert. Suivi 1 à 12. Prêt. 1 à 12. Confirmé. Interface de combat en ligne. Il m'a semblé entendre quelque chose. Activé. Ok. Plan de vol et ordinateur de vol. Ok. Ils sont un paquet. Le système de tir est au vert. Ok. Le système de verrouillage codé est au vert. Qu'est-ce que c'est? Merde. Ok. Plan de vol et ordinateur de visée sont au vert. Ok. Le système de tir est au vert. Ok. Le système de verrouillage codé est au vert. Ok. Nouvelle lecture des cibles principales. Prêt? Prêt pour la nouvelle lecture. Cible principale. Porte-avions. Cap. Ok. Fisher, ce sont les codes d'annulation. Il me faut encore prendre le contrôle du missile à partir de la salle de contrôle. Fais vite, le missile se rapproche du Ronald Reagan à pleine vitesse. Ouais, c'est ok, ça, non faut que je sois aussi rapide que Flèche Bleue, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire au juste? Bah, laisse tomber. T'as raison, Grimm, je me fais vieux. Ah, attends.
Je peux pas le prendre le contrôle avec Sordi Lab. Ça me stresse ce truc là, tu sais. Non, là il y a que dalle. Bah. Alors, est-ce que ça serait depuis... Allez, monte. C'est depuis où? Je sais. Ah bah voilà. Annulé. Ça y est, il a explosé. Non, mais l'ogive ne s'armera pas. Même s'il franchit les défenses du Reagan, il s'écrasera dessus comme une canette de bière vide. Une canette? Voilà qui devrait faire plaisir aux marins. Très drôle. Va au point d'extraction maintenant. D'accord, j'y vais. Bon, le point d'extraction alors. Je suppose que c'est en dehors, hein, de toute manière. Ok. Super. Ah bah, y'en. Bon, fameux, tout ça. What the fuck? Les estimations initiales évaluent le nombre de victimes en 24 heures à... Oh mon Dieu! 6000 hommes? Et il n'y a pas d'erreur? Plus de 90% des pertes sont chez l'ennemi. Nous aurions apparemment perdu moins de 1000 hommes. Moins de 1000? À vous entendre, c'est une bonne chose. Pure paranoïa. Leurs dirigeants ont pris peur en nous voyant nous agiter. Alors ils nous attaquent. Tout indique qu'ils n'ont pas tiré intentionnellement ce missile. Mais tant que nous ne pourrons pas le prouver, Séoul sera en danger. Quelles sont nos options militaires pour ce qui est de Séoul? Selon nos stratèges, il nous sera impossible de tenir la ville sans avoir recours à l'arme atomique. Et s'il nous faut en arriver là... Il y a 38 heures, la Corée du Nord a attaqué la Corée du Sud. Nous savons depuis 50 ans que son objectif a toujours été de prendre Séoul dans les premières 72 heures de l'offensive. Et il semblerait qu'elle ait de bonnes chances d'y arriver. Les forces américaines et sud-coréennes essaient de canaliser les divisions adverses le long de couloirs prédéfinis. Mais il y a 6 heures, la première division ennemie a tout de même atteint Séoul. Les Nord-Coréens cherchent à s'emparer de bâtiments cruciaux, dont la station de télécommunication située au nord de la ville. Malheureusement, c'est par là que l'attaque qui a coulé le Walsh a été relayée. Si les Nord-Coréens obtiennent cette information, ils pourront s'en servir pour justifier leur agression et s'implanter durablement en Corée du Sud. Il nous faut la récupérer avant eux. L'attaque informatique qui a tiré le missile responsable de la destruction du Walsh a transité par Séoul. Je n'ai pas réussi à remonter au-delà de la station de télécommunication. Et peut-être cette dernière est-elle son point de départ. Il est en effet possible que la Corée du Sud nous ait piégés en obligeant la Corée du Nord à attaquer les États-Unis. Je pourrais essayer de m'introduire dans le système, mais...
est sécurisé à l'extrême, et les dégâts causés par les combats ont déjà détruit la plupart des ports d'entrée. Il faut que tu ailles récupérer les données sur place, puis que tu nous les envoies par une connexion point à point pour qu'on les étudie. La CIA a plusieurs planques à Séoul qui lui servent pour ses agents et les transfuges éventuels. La plupart ressemblent à des logements normaux. Je suis en train de mettre un plan au point pour que tu puisses avoir accès à l'une d'elles avant les importants mouvements de troupes prévus par notre armée. Une fois que tu seras sur place, nos hommes se replieront. Les Nord-Coréens suivront et tu te retrouveras entre les troupes d'assaut ennemies et leurs unités de soutien logistique. Attention à ne pas t'éloigner de cette zone de calme relatif si tu ne veux pas te retrouver face à un bataillon de type armé jusqu'aux dents. L'USS Ronald Reagan est prêt à lancer un EA-6B Prowler, équipé d'un système de réception laser point à point. Votre homme recevra un émetteur spécial qui enverra les données à l'avion. Ce mode de communication est sûr à 100%. Il est impossible d'intercepter la transmission et encore moins de la décrypter. Une fois votre homme en position, nous enverrons l'avion récupérer les données. Mais cette opération est risquée, et j'espère que le jeu en vaut la chandelle. Chacun de ces avions vaut la bagatelle de 60 millions de dollars. Ok, ok. Bienvenue au beau milieu de la guerre des trois armées, Fischer. Vous vous trouvez en retrait par rapport au front. Mais attendez-vous à des escarmouches entre unités isolées. Je suis dans quel camp ? Le vôtre. Vous n'êtes pas un combattant reconnu. Et tout le monde vous tirera dessus si on vous aperçoit. Ok. Bon bah écoutez, les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude. N'oubliez pas les petits likes, les commentaires, les abonnements. On se retrouve du coup lundi, donc l'épisode forcément sera tourné à l'avance. C'est juste que la publication, je ne sais pas si elle sera au rendez-vous lundi. Voilà. Donc de toute façon, ça arrivera, hein, vous inquiétez pas. Je peux pas vous dire quand encore maintenant. Alors bah du coup, bah moi je vous dis à la prochaine les amis. Bon week-end à vous parce que du coup pas de vidéo ce week-end, désolé. Et à la prochaine. Ciao ciao.